J'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Merde, c'est quoi ça? J'en sais rien. Putain! Merde! Une mauvaise blague. Ok. Vraiment? Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. Chris? Josh? C'est quoi ça? D'accord, c'était très drôle, ha ha ha, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok? C'est bon pour vous? En serviette. Eh ben, ce sera la serviette. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, si vous essayez de me faire flipper, ben, c'est réussi.
c'est tout, putain. Wow, c'est bizarre. Hé ! Merde, quoi ! C'est fini, d'accord ? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons ! Salut, Samantha. Tu me cherchais. Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi, ça ? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ouvre les yeux. Oh, la vache ! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça ? Un joli petit oiseau. Pourquoi ? Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature ? Pourquoi vous me montrez tout ça ? Pourquoi regardes-tu ? Josh ! Quel effet sur tes frères ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais te donner 10 secondes. 9. Non, 8. Non. 7. Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, j'ai l'impression. Je me trompe ? Planifier cette partie avec autant de soin pour se voir contrecarré par ses propres insuffisances au moment décisif. Je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion ? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui. Toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante, des choses mortes,
Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh. Les mecs ? Salut, Samantha. Tu me cherchais ? On devrait aller chercher les autres. Mike et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça ? On y va ! Mais regarde ! Une tour de guet. Matt, c'est quoi ça ? J'en sais rien. Matt ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Reste calme. Ne bouge pas. C'est nécessaire. Ils veulent juste... sentir, c'est non, tout. Non, Matt. Ils vont nous faire du mal. On arrive à avoir quelqu'un à la radio. On y arrivera. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Non, Sandek. Je vois pas, c'est quoi ? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement.